Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer exactement comment est-ce que j'ai réalisé ce t-shirt arc-en-ciel multicolore. C'est super simple, super rapide, mais surtout c'est vraiment pas cher du tout. Donc commençons tout de suite avec le tutoriel et la première chose que vous avez besoin c'est un t-shirt blanc ou un t-shirt clair, rose clair, jaune clair ça fonctionne, des feutres aussi et ce t-shirt là je l'ai eu à Kiabi pour 2,99€. Ensuite vous voulez vraiment placer donc à l'intérieur de votre t-shirt une planche de carton assez solide pour empêcher que les couleurs passent de l'autre côté, donc dans le dos. Ensuite, je vais commencer à colorier mon t-shirt avec mes feutres. Et donc là, je fais un effet un peu frange. Donc j'applique mon bleu, ensuite mon violet et le rouge. Vu que le rouge et le bleu, ça fait donc le violet. Vous pouvez placer vos couleurs exactement comme vous avez envie. Une chose qu'il faut que vous sachiez par contre, c'est de faire attention de ne pas laisser trop de blanc donc lorsque vous êtes en train de colorier, sinon pendant l'étape 2, ça ne va pas aller comme vous voulez et le résultat ne sera pas aussi joli. Je continue donc à colorier selon les couleurs que j'avais décidées. Une fois que j'ai fini de colorier, je vais donc passer à la deuxième étape et je vais prendre de l'alcool à 70 et c'est ça qui va vraiment aider à changer complètement notre t-shirt. Ensuite, il va falloir aussi une bouteille, donc spray et une petite pipette comme ça. Je sais que ça fonctionne avec l'alcool à 70, donc ne me demandez pas si jamais ça fonctionne avec autre chose que ça parce que j'en ai aucune idée, j'ai toujours fait comme ça. Donc je vais bien arroser complètement toutes mes couleurs pour être sûr qu'il y a de l'alcool bien partout sur le feutre, sur le t-shirt. Vous voyez, mon carton est toujours placé là pour que ça ne glisse pas de l'autre côté et que ça n'en mette pas partout. Je vais donc continuer un petit peu avec mon spray pour que les couleurs se mélangent bien et je vais laisser poser pendant environ une heure et les couleurs vont vraiment bien se mélanger les unes avec les autres. Et donc voilà, comme vous avez vu, c'est super simple et assez rapide. Une chose primordiale à ne surtout pas oublier, c'est qu'une fois que votre t-shirt est fini et que vous avez laissé le poser environ une heure, vous devez le passer au sèche-linge pendant environ 10 minutes pour que en fait, la couleur du feutre se mette vraiment bien à l'intérieur du textile et qu'il ne bouge plus après. Si jamais vous portez votre t-shirt directement, la couleur en fait, va glisser si jamais il y a de l'eau qui arrive dessus. Ça va en fait détériorer le t-shirt, donc surtout passez-le au sèche-linge pendant 10 minutes et ensuite vous pouvez porter. Et donc voilà, je vous verrai vendredi dans ma prochaine vidéo et jusque là, prenez soin de vous-même. Bye!